Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maximoula qui a une oreille de boucher. Non, pas une oreille de boucher, c'est-à-dire, ouais, j'ai l'oreille, je suis un vrai boucher, j'ai une oreille, non. Non, c'est-à-dire que mon oreille est bouchée à cause de mon rhume, les séquelles. Même si le rhume il va mieux maintenant, donc voilà. Mais bon, la traditionnelle oreille bouchée, donc là j'ai du mal à entendre d'une oreille. C'est bizarre. Donc là, on va continuer les experts. Pour la 5ème enquête sur 6, toi tu te calmes, Laura. Poudre aux yeux. Alors, classement débutant, on va essayer de faire expert. Comme le titre du jeu. Ah, logique, hein. Je vais pas faire mafieux, hein. Non, non. C'est pas mafieux. C'est pas mafia Las Vegas, Clément Seri. Usually we have to go to the morgue to have the doc talk to us in the presence of the deceased victim. This time, a side alley near his home. We'll take the morgue. Ah, pour une fois, c'est Robin qui a réussi à trouver. Ah, l'unité d'analyse qui nous sert à rien. Ah, je te rappelais pas qu'on l'utilisait dans cette mission. Enfin, il l'a peut-être mentionné, mais on va peut-être pas l'utiliser. Hein. Donc, pour une fois, on fait équipe avec Grimson. Crimson. Enfin, je sais plus comment on dit. En tout cas, oh, faut que je fasse gaffe. Hein. Ah ouais, là, je vais pas pouvoir insulter mon collègue, hein. C'est mon patron, si je l'insulte, je me fais virer. Enfin, j'ai regardé Ted, Les Seigneurs et Hunger Games. Oui, oui, aujourd'hui. Et en me rappelant de Ted... Ouais, s'il est aussi chelou que le patron de Ted, allez savoir, hein. Il va peut-être me nommer directeur, hein, si je l'insulte. Un vieux malade mental. Un vieux fou, un vieux sénile. Ah non, c'est notre doc. Donc on va parler au doc. Voilà. Allez, tu veux qu'on t'amène le corps? Non, sans deck. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, doc? Le 9 docteur. We're suspicious by nature in this business, so I took a closer look and saw what appeared to be blood spilling from that crate. So I called in. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans la caisse? No, I may not do much field work, but I know enough not to taint the evidence. Est-ce que tu connais la voiture? It's a familiar enough model. Wouldn't mind having a ride like this myself, but no, I've never seen it before. Okay. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de suspect? Nothing overt. I noticed that the alarm's still set and there are no jimmy marks on the doors. Est-ce qu'il y a des témoins? Hormis toi. Enfin. All rodents. Enfin, non, t'es pas un témoin, mais bon. À quelle heure es-tu arrivé ici? 11:43 p.m. Like the times I usually give you, that one's exact. Ah, ok. I think that's all we need, Doc. We need more. I know. You know where to find me. Non, non, c'est pas où te trouver, hein. Attention, Gérard Majax, disparu. Donc voilà, on a fini d'interroger le doc. Donc là, on va fouiller le coin. Une vieille benne. T'as pour une fois quelqu'un qui me remercie de fouiller les lieux comme ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose là-bas. On va le récupérer. Non, pas ça, pauvre con. Alors, je vais pas utiliser ma pince pour récupérer les clés. Je suis pas un con, hein, ce point-là. Alors, sur les clés, il n'y a que dalle normalement, mais faut jamais se fier aux premières apparences. Non, c'est bon, il n'y a que dalle. Donc là, Ben, c'est fait. Au revoir, Ben.
Donc, ensuite, la bagnole. Alors, est-ce qu'à la bagnole, il y a quelque chose? Ah, il a l'air d'avoir rien devant. Alors, est-ce que dans la bagnole en elle-même, il y a quelque chose? Oh, il y a quelque chose. Photo! On fait notre petit chinois. Photo du NIV. Alors, numéro d'identification de la voiture. 98, JJ, DJ, 120 966 054 000. Oui, je sais bien compter. Oui. Donc, sinon, à part ça, oh, une lumière, oh, une lumière. Non, à part ça, il n'y a que dalle. Ok, ça c'est fait. Donc là, il y a quelqu'un qui a éjaculé ou qui a vomi. Allez savoir. Ah non, c'est du sang, ok. Sèche, mais non, c'est sombre. Non, j'essaye de faire la logique inverse pour une fois. Ah, pour une fois, c'était la bonne. Ah bah d'habitude, c'est la logique inverse. Donc là, on récupère le sang. Voilà, le sang prélevé sur la bagnole. Voilà. Sang prélevé sur la voiture. Je me mouche. Voilà, le sang prélevé sur l'aile de la voiture. Ouais, c'est classe en pleine vidéo. Je me suis pratiquement pas bouché de la journée, évidemment c'est en pleine vidéo que je me bouche. Bon, assez perdu de temps. Donc ça c'est fait. Maintenant on va fouiller l'arrière de la bagnole. We have a ditched body in car. Why did our person or persons unknown bother to remove the crate first? Was the body dump interrupted? Bonne question, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu qu'il y avait à regarder de plus près. Donc là, on fouille la caisse pour voir s'il y a quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle. Ah, il y a que... ah, si, il y a bien quelque chose. On passe foutre de moi. C'est ça. Oh putain, j'ai réussi, bon. Je sais pas du tout tamponner. Ah bah j'ai réussi. Apprendre digital châssis. Trouver à l'intérieur de la voiture. Eh oui, même un rhume n'arrête pas Maxime Moulin. No plates. Could mean it's a new car or it was stolen. Ouais. Soit une voiture extraterrestre. Tout à fait, Jean-Pierre. Oui. Hein. Une voiture extraterrestre. Ouais, bon. Donc, normalement, on a fini avec la bagnole, mais faut se méfier, hein. Ah oui, faut se méfier de ce que je dis, hein. Donc là, on fouille. Les traces par terre. Non, là, il n'y a que dalle, j'ai l'impression. Et donc, maintenant, on va fouiller... la caisse qui se trouve là. Ah non, ça, c'est les pneus. Les traces de pneus. Non, faut trouver aussi la caisse. Traces de pneus de la ruelle. Traces de pneus du véhicule trouvé dans la ruelle. Non, la caisse, elle est... où cette caisse? Où est la caisse? Ah, elle est pas encore là. Ah, oh, bah, j'ai pas... j'ai bien l'impression, hein. Ah. Oh, bah, on va prendre une autre photo, hein. Ah, position du corps avec deux véhicules. Ah, bah si la caisse elle est bien là. La caisse? Je vois, mais alors que dalle. Oh! Ouais, elle est là la caisse. Ah, photo du corps dans la caisse. No other blood trails, no nearby pool. The lack of blood evidence indicates another crime scene where the body might have been packed for transit. Ok, d'accord.
Donc le corps dans la caisse, c'est fait. Oh, il y a quelque chose. Il y a du sang. Donc on va récupérer le sang avec nos gants. Non, j'ai qu'un avec le truc là. ADN de la victime. Prélevé sur le cœur de la ruelle. Donc voilà. On a un nouveau lieu. Le lieu du crime. Non, ça, je déconne. Donc voilà. Ah, on n'a pas fini là? Hello. Ouais, ta gueule. Oh merde. Donc je sais pas ce que j'ai pu oublier, mais bon. On observe. Non, c'était les clés que j'avais oubliées la première fois. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater ce coup-ci. Bon, technique magique, hein. Toc. Voilà. Ouais, la technique magique. Donc là, on va voir ce que j'ai bien pu rater. Non, au véhicule, normalement, j'ai terminé, mais ouais, pour faire là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pu rater? Voilà, la caisse, elle est là. Ah, bah là, je tenais pour. Non, qu'est-ce que j'ai oublié que j'avais pas oublié la première fois? Non, le mec, ça a l'air d'être bon. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, la bagnole, c'est pas ça. C'est pas la bagnole, alors c'est quoi? Il se fout de ma gueule, le jeu. Ok. Ça, on est déjà bloqué, hein. Enfin, je suis déjà bloqué. Non, c'est pas là, c'est pas ça. Non, les briques, on s'en fout. Non. Le pare-brise, on s'en fout. Allez, on est fou. La benne. Il n'y a rien d'autre? Oh, vérifie, on n'est jamais sûr, hein. Looks like the area is clean. Ouais, c'est bon, ta gueule. Oh putain, qu'est-ce que j'ai raté encore une fois. Mais c'est bon. T'as pour une fois, on peut quitter la vue avant même qu'il nous ait dit la phrase. Alors. C'est très gênant d'avoir une oreille qui fonctionne pas. Non, il y a ce style de vie qui commence à me casser. Les burnes, oui. Le toit du truc, non? Ah mais qu'est-ce que j'ai raté? Putain. C'était les clés que j'avais ratées la première fois. Dans un récapitulons. Eh? Il y a quelque chose sur la caisse? Non? Je suis sûr que ça a un rapport avec la caisse. Oh, il y a quelque chose en dessous. Non? Voilà. Me fatigue ce jeu. Oh putain, ça pique les yeux. Tu pourrais pas m'aider, espèce de salopapard. Ah oui, je lui demanderai, mais alors, pas d'aide. Voilà, donc. Ah, je m'en fous qu'on soit bloqué pendant 3 heures, hein.
vas-y, j'en ai marre, je cherche la soluce. Ah oui, hein. Quand j'en ai marre, j'en ai marre. Moi, je suis désolé, hein. Ça doit vous faire, mais alors, bien chier, hein. Et je suis désolé. Alors, la soluce. Ouais, même dans la... J'avais raison, dans la soluce, il n'y a même pas l'enquête numéro 6. Alors, sur châssis, ça... Bon bah, d'après le truc, j'ai l'air d'avoir récupéré toutes les preuves, même s'il y a l'autre con qui me dit qu'il reste encore des preuves à trouver. Bon alors, allez savoir, je vais au labo, hein. Oh, je vais pas perdre de temps. J'ai quand même, wesh, le truc. Ouais, parce que... c'est bon, ça pète moins les yeux. Eh bah, si c'est ça, je vous ai fait perdre du temps pour rien, mais pas grave. Comme ça, ça fera plus de vidéos. Et plus de vidéos à regarder. Donc là, on va commencer les empreintes digitales. On va voir si on va réussir à trouver. Alors, empreinte numéro A, c'est pas ça. B, c'est pas ça. C, ça pas ça. D, c'est pas ça. E, ça pas ça. C'est pas ça, ça. Bon, analyse d'ADN. ADN de la victime. Ah, pour une fois, il me dit que c'est bien l'ADN de la victime. Oh, foutage de gueule. Sans prélever sur la bagnole. Ah bah si, c'est... Attends. Ah si, oui, c'est ça. Ah, si, tu me fais bien encore chier, hein. Mais j'en ai marre qu'il me fasse chier avec ça. C'est bon, on va la chercher la dernière victime, pauvre con. Pauvre con. On voit bien que c'est la dernière victime. Alors pourquoi tu me dis con? Pauvre con. Oui, je traite Grimson de pauvre con. Et voilà. Looks like it was owned by our PI, you know. Ah, Gary Melvoy. Mais t'arrives même pas à reconnaître un de nos détectives. Mais t'es vraiment con, alors. C'est bon. Voilà, pauvre con. Oui, j'insulte mon chef. J'avais dit que je le ferais pas. Non. Sous raconté, j'ai jamais dit ça. Non. Alors, clé de la voiture. Ah, on a déjà tout fait, hein. Tout fait. Tout fini. Analyse de preuve, ok. Ok, ouais, c'est pas doute, ok. Bon ben, analyse de preuve, il y a la recherche spéciaux, photo, allez, inconnu, vas-y, on cherche le propriétaire de la bagnole, Gary Melvoy, putain, ça nous aide, c'était sa bagnole, le modèle Yukon, année 2006, GM, ok, allez, trace de pneus. Ouais, on peut pas trouver, je m'en doute, hein. Et ça, c'est oui. Voilà. Photo. Ouais. Preuve mise à jour. Ok. Ça nous a bien avancé. Donc maintenant, on va aller à la morgue. Logique. Ouais, logique. Tout fic. Ah putain, le cadavre est déjà là. On n'a même pas besoin de le demander pour une fois. Comment se présente notre victime? Elle va mieux? Once I uncrated him, I found he was an African American male, mid-50s. And I have fingerprints for you, of course. Attends. Quoi? Empreinte digitale de la victime? Ouais, fournie par un robin.
Quelle est la cause de la mort? Two gunshot wounds to the back of the head, 9 mil, both entering at approximately 35 degrees. Okay. Deux balles dans la tête. 0 degrees side angle. Markings on the back of the skull indicate a point-blank shooting. Both rounds have the occipital gun. One exited out through his forehead, the other stayed inside and got around to it. I have it for you. Balle extraite du corps, merci. Balle extraite du corps de la victime, enfin du cerveau, fournie par Hall, l'ordinateur. Cette balle a causé la mort de la victime. Okay. Peux-tu établir l'heure de la victime? Based on body temperature, enfin l'heure de la mort, je suis con. 7 p.m., about 7 hours ago. Our Vic was not breathing when he was crated up. Ok. Est-ce que tu as trouvé autre chose? The autopsy habituel. Had stomach problems, no ulcer, but he put away more than his share of antacid. T'as rien trouvé d'autre de plus intéressant, pauvre con? Hey, I found the body for you. What more do you want? Non, j'en veux plus. Attends, quoi? Il est afro-américain? Alors qu'il est blanc? Ouais. Faudra que tu revoies ta définition, hein, mec, hein, d'afro-américain, il saute. Oh, je... alors c'est afro, mais afro du nord, hein. C'est même pas afro là, c'est arabe, faut pas déconner. Oh bah putain. Bon. Merci Robin. Merci. Merci, je vais voir Brass. Merci Robin, on est tous avec toi. Robin des Bois. Est-ce que tu as des informations sur Gary Melvoy? Everybody in the LVPD knows him. Kind of a cop who likes to spout off about justice and then gets caught planting evidence. He wasn't fired from the force, but he quit just in time. A couple of years ago, he went crime. Sais-tu où il habite? Listen, works out of a rolling office in an RV park. Super. Un picno. Ouais, on va au copicard. Enfin, le bureau de la victime. Comme ils le disent. Bureau de la victime. Bon allez, on y va. Oui, je parle bien du nez. Et alors, vous avez un problème? Ah, quelqu'un a forcé la porte. Oh putain! Tu m'as fait peur. Pauvre con. This man may live out of an RV, but his possessions are state of the art. Bon, voilà. Donc, on va regarder le truc là. Looks like a parent breaking and entering. Donc là, on va faire du moulage. Empreinte profonde. Allez, sproutz. Empreinte des marques camping-car. Empreinte des marques trouvées sur la porte du camping-car de la victime. Ben, je suis désolé aussi de pas faire beaucoup de vidéos en ce moment. Mais en même temps, vu que j'ai arrêté, j'ai eu du mal à parler, j'ai eu même 20 vidéos. This is very sophisticated surveillance. Is he a PI or an FBI agent? Oh, encore mieux, agent de la CIA, agent gouvernemental. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La, j'aime bien les grosses poilues. Il y a quelque chose derrière. Et allez, il faut la lampe pour voir le petit truc qui est derrière, mais qu'on arrive à quand même avoir sans la lampe. Bravo, Captain. Là, c'est Captain Bigleux, hein. C'est pas... C'est Captain Igloo, Captain Bigleux, là. Non, faut pas déconner. Captain Bigleux. Un numéro de téléphone trouvé dans le camping-car de la victime. Ok. Ah, mais tais-toi donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un mug, Blurry Wayne. Ok. Non, ça je m'en fous. Alors la chambre, il y a quoi là? Il y a une lampe. Non, tu t'en fous. Il y a un gros truc posé en plein milieu qui est super bien visible et qu'on va prendre. Relevé de con. Deux. Non, c'est pas une empreinte ça. Putain.
On dirait, hein. Ah oui, je suis méfiant comme une grosse tarlouse. Oui, je me mets à chanter. Et alors, il y a un problème? Bon. Il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. Et si je l'ai pas vu, c'est que je l'ai pas vu. Bravo. Vous avez gagné 1000 points. Bon. Alors, est-ce que je remets en mode pétage de yeux ou... Bonne question. Dans la ruelle ou à la morgue? Non, voilà. Donc attends. Donc il y a encore quelque chose à récupérer, mais je sais point où. C'est pas le canapé à ce que je vois. Enfin, si ça se met à ramer, là, ça va bien m'être utile. Allez, on remet en mode pétage de yeux. Oh putain. Rien que dès que je mets en sommaire, là, ça pète les yeux. Ça pète les couilles aussi, mais bon. Hein. Le mode pétage des yeux. Qui nous permet quand même de trouver ce qu'il faut trouver. Alors, c'est pas là. Non, les stores sont fermés, on s'en fout, mais alors, réellement, ça s'en fout. Les terroirs de chez Mami Moucheline, on s'en fout. L'assiette, super bien pixelisée, on s'en fout. Ok. Ouais. Ah! Ça. Je crois que c'est le truc qu'il faut, le dernier truc qu'il faut récupérer. Faites que ce soit ça. We have a thief who leaves a valuable camera behind, but takes... Un voleur qui laisse un appareil photo de valeur. J'ai... Ah! Appareil photo numérique trouvé chez le camping-car de la victime, sans carte mémoire. Ok. Est-ce qu'il y a des empreintes sur l'appareil photo? Non, il n'y en a pas. Fuck, yeah. Bon. Non, toujours pas. Non, t'as des codes. Il reste encore une connerie à récupérer, là. Mais putain, j'ai tout récupéré. Allez, Grimson, dis-moi que j'ai tout, hein. S'il te plaît, dis-moi que j'ai tout. Si tu dis pas que j'ai tout, je te frappe. Nictor, moi, je pop, pop, pom. Je vais être vulgaire si ça continue. Bon. Récapitulons. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Non, il n'y a rien d'autre à récupérer sur le putain de truc de merde, hein. Ah là là! Trim. Bon, je vais aller voir sur la Solus. Même si je fais pas trop confiance à la Solus. Le bureau devant le clavier, ouais. Alors, oh, ça n'a plus d'empreinte. Ça, c'est sur le bois. La ta gueule, c'est sur le bois. Oh putain. Abracadabra, empreinte magique. Ouais, je le mets pas du tout sur l'empreinte, mais c'est bon. Ouais, allez, on enlève le mode pétage de yeux. Ouais, non, sans doute, je fais plus vidéo après celle-là tant que j'aurai. Tant que mon rhume sera pas passé, parce que là, faut pas déconner. Même Dora l'exploratrice aurait mieux réussi que moi. Oui, Dora l'exploratrice. Oui! Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Un dernier mot, Blanchouille. Donc là, on retourne ici. Je vous ai pas dit pourquoi, mais je vous le dirai pas. Non, car il y a quelque chose à récupérer dans la caisse. Et c'est... Ta-na-na-na. La poudre.
Dans un endroit qu'on voit même pas. Un commerce de poterie qui nous mène en prison. Merci. Alors, vous trouvez près des éclats de poterie d'homme. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez remarqué qu'on n'a encore aucun suspect. C'est bien étonnant. Allez, autre truc à récupérer. C'est évidemment les gros morceaux de poterie bien visibles. Hein. Ta-na-na-na. Là, 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 là. Dans la caisse de la ruelle. Donc là, on va aller au labo. Oui, je viens de rôter, alors. Et alors ? Voilà. Voilà. Salut. Au revoir. Alors, empreinte digitale. Je fais dire autre chose. Je vous laisse deviner quoi. Non, vous n'avez pas trouvé. Bah, empreinte génitale, évidemment. Donc, empreinte génitale de la digitale de la vie. Ok. C'est bien ces empreintes qui sont sur le bureau. Ouais. Maintenant, reste encore à trouver les à qui appartiennent ces empreintes-là. Qui nous emmerdent, mais alors bien profond. Donc ça, faut utiliser ça, un analyseur chimérique. Ça, faut aller chercher je ne sais où. Faut faire chercher où. Ah, le microscope, oui. Mais évidemment. L'analyseur de preuve. Tralilololol. Tralalol. Allez, relevé de compte. Allez, le numéro de compte est le transfert électronique. That's some balance. What kind of clients can pay our RVPI these kind of fees? Something doesn't add up. Also, look at this transfer. Ackerman Fine Art Studio? Isn't that the gallery case you worked on with Ward? But he's already on another case. Hey, Catherine. Yeah, Gil. It looks like some old skeletons are popping up from a case you supervised. And since you have some history here already, would you do a follow-up interview at the Nathan Ackerman Fine Art Studio? Combine and conquer. Sure, I'm ready when you... Oh, Nathan Ackerman! Que de bons souvenirs! Qu'est-ce que j'avais traumatisé, celui-là? Mais attends, j'ai pas fini, hein! J'ai encore d'autres trucs à analyser. Je le traumatiserai après avoir fini, hein. Mes trucs. Ok. 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 On a tout fait, ouais. Éclat de poterie. On a tout fait. Bon, on a tout fait. Donc maintenant, je vais aller voir Brass. Puis on va aller frapper, on va interroger Ackerman. Peut-être le frapper ensuite, mais bon. Ah oui, hein, policier violent, hein. Policier violence. Pouvez-vous trouver... je recommence. Peux-tu trouver à qui appartient le numéro de téléphone trouvé dans le camping-car de Malvoy? Tu veux que je te dise une question encore plus longue? Here's a familiar name. Remember Lucy Canelli? The sister of our blood... What? John, Vic, Carrie? Attends. Attends, mon cerveau vient de bugger. Alors, on retrouve à la fois Nathan Ackerman de la première enquête, mais aussi les Cadelli. Mais on va retrouver qui d'autre? On va retrouver Lou de la précédente enquête. On va retrouver la madame de la deuxième enquête, avec son truc militaire. Donc voilà, on retrouve Lucy Canelli. Que de beaux souvenirs. Haha, attends, on en retrouve des gens là. Hein. Eh, c'est avec des gens qu'on connaît, les suspects ou quoi? Miss Canelli, we appreciate your call. Enfin, je sais pas si elle, ça va être d'autres suspects, mais bon. Ouais, comme d'hab. Est-ce que tu connais un certain Gary Malvoy? Ok. Pour une affaire professionnelle? I don't really have a private life, Captain. My work at my father's casino is just about it. So yes, business related. Okay. We found him dead, shot, stuffed in a crate. Captain,
Novoy was a man I met a few times, a somewhat sleazy character, the likes of whom a business person must occasionally hire as a necessary evil. Ok. Pourquoi avez-vous engagé exactement? Oui, je vais très bien. Attends, plus fort, j'entends rien. I hired him to follow Michael Dubois. Dubois? Why is he still in the picture? Encore lui? Oh putain. L'autre con là. At least we see eye to eye on Michael Dubois, Captain. My sister, the height of whose naivete is matched only by the depth. Encore? Is back in bed with that jackass. Ouais, ça va finir avec les engueulades. Putain, il y en a eu à chaque enquête d'engueulades là ou quoi? Love of her life that she spilled her own blood for. They kind of fell out when Carrie made a deal with the DA to testify against him. Alex did try to frame Dubois after all. Even I wouldn't go that far. Anyway, Michael contacted Carrie, apologized for his abusive behavior, promised to behave, yada yada yada, and then thanked her for sticking up for him by selling out Alex. Oh l'enfoiré. Pourquoi faire suivre Michael? J'ai dit... To make sure he wasn't leaning on. My father is giving Carrie half ownership of the casino, the other half to me. Carrie still doesn't want anything to do with the business. But Michael wants to run things. Then she can take it easy and trade in her party girl tabloid lifestyle for being Mrs. Michael Dubois. Ugh. Oh, tu fais bien le burk, hein? Et pourquoi est-ce que ça vous pose un problème, madame je sais tout? I should be running things completely. I'm the oldest, and I've been working at the casino for years. It's my rightful position. Second, Michael Dubois is a lowlife who beats women and has questionable business ethics. I don't want that creep draining our family business. C'est une bonne raison, madame. I don't mind sharing with my sister, but not with that monster Dubois. I don't know how he managed to weasel his way out of those bookmaking charges, but I know I've only scratched the surface on how dirty this guy is. Ouais, on a débloqué l'appartement de Michael Dubois, mais on n'y va pas tout de suite, hein. Où étiez-vous à 19h hier soir? I was at the casino, working late with my boss. Check with him if you like. On va vérifier, madame. I've told you everything. On va retourner voir Brass. Oui, oui, le temps de retourner à son bureau, je suis sûr qu'il a eu le temps de faire les recherches. S'il n'a pas eu le temps, bah on verra. Alors là, on a le choix, soit on interroge Dubois, soit on pète la gueule à Carmel. Ou si on faisait l'inverse. Peux-tu vérifier que Lucie était en train de travailler au moment du meurtre? Her manager confirms her story and casino security has footage of her on the premises. Oh merde! Hate to disappoint, but you know... Donc pour l'instant, on a deux suspects. Ackerman, Dubois, et non, Carrie, c'est pas une suspecte. Non, non. Donc là, j'hésite. Ackerman ou Dubois? Oh, on va réserver l'enfoiré pour plus tard. Allez, on va d'abord voir Ackerman. Oui, oui, être malade m'empêche pas d'être vulgaire. Je vois que rien n'a changé depuis la dernière fois où on est venu. Ça prouve qu'il range, hein. And here we are again. New case, old place. New face, old face. Je vois qu'il y a un mec qu'on ne connaît pas du tout. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? I haven't got him. Ok. Ça commence bien. Il nous dit même pas salut, il nous dit même pas qui c'est. Non. Ah, je n'ai rien pour vous. Et ouais, c'est joyeux, hein. Salut, Nathan. Eh, hey, vous étiez même mis en faillite? I did indeed. And a part of the process was selling out to Mr. Klein, who is now my... Je vite que Monsieur Klein, il est propre. je vite que c'est celui qui est juste à côté, hein. Est-ce que vous avez fait un verrement sur le compte de Gary Melvoin, monsieur? He was a customer, just a one-time transaction. Okay, super, je connaissais. He purchased a lovely vase, but the workmanship was flawed, and I, of course, gave him a full refund. Funny he'd buy artwork at all. He lived in an RV and worked out of it, too. A PI.
murdered recently. Oh, dear. From Gaskin. I had no idea what his profession was. Except in the case of an expensive transaction involving establishing credit, I have no call to... T'es mal rasé, tu sais, hein? ...professions of my clientele. Où étais-tu hier soir à 19h? Oui, maintenant je le tutoie. Doing the account. Now parce que d'être plus longtemps, hein. Working for another client, I take special care to keep detailed records. It's only right, and... Ah, c'est sûr, maintenant que tu bosses pour un autre, c'est plutôt le patron. Calme-toi, le radiateur. Bon, allez toi, Malpoli, c'est toi, Ashclean? Connaissez-vous Gary Melvoy? Never seen him. I'm not familiar with the customers in this place. Not my style of art room. I like realistic stuff, you know. Nathan here takes care of business. He's the art expert. Salut, Gus. To, you know, check the books now and then. Mind if we look around, Mr. Klein? Damn right I might. I'm a good citizen and everything, but I know one thing about art. It's fragile as hell. And anyway, I just paid a boatload to clean this joint. So no, not just for your kids. Okay. Anything else? C'est un emmerdeur de première, toi. T'as un rendez-vous avec ta femme. Foiré. I can't. Et toi, tu n'as rien d'autre à me dire, hein, ouais. Hein. Donc là, on va aller voir... Bah, personne. On va faire une grosse partouze. Attends. On est trois mecs, une femme. Ouh là, elle va morfler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement, bah... Pour la suite de cette enquête palpitante, on revoit des gens qu'on a aimés et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec moi en meilleure forme parce que là je suis en train d'étouffer là. Là je vous le dis, là j'étouffe. Hein. Aidez-moi! Allez, bye les gens. Et pour tous ceux qui ont un rhume, courage. Le chef Roussard.